sur Famille Épanouie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un symptôme que l'on a tous, plus ou moins, en tout cas que l'on fait tous au moins une fois dans sa vie, parce qu'on est découragé par quelque chose, parce qu'on n'y arrive pas. C'est le syndrome de toute façon, j'y arrive pas. Tu vois de quoi je veux parler? J'imagine que tu sais à peu près, on l'a tous expérimenté au moins une fois dans sa vie, ce truc. Et parfois, ça nous plombe, parce qu'on sait comment faire. On nous a montré comment faire, donc ok, on est ok avec la technique, on est ok avec le savoir-faire, on est ok avec l'absorption, l'intégration, enfin, on est ok avec tout. Mais la première fois que tu vas le faire, ça va pas marcher. En gros, par exemple, ton enfant, je sais pas, il se roule par terre dans le magasin, et du coup, alors tu sais comment faire, tu sais ce qu'il faut faire, tu connais l'alternative bienveillante, on va l'appeler comme ça. Tu as déjà même imaginé, tu t'es projeté en train de le faire. Vraiment, tu t'es dit ok, c'est nickel, je vois ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire, mais finalement, quand c'est à ton tour de le faire, quand tu arrives devant les caisses, que ton enfant se roule parce qu'il a vu un paquet de Frestagada ou de Banana Ribo, et tu perds tes moyens, tu sais plus quoi faire, et du coup, tu regardes les autres un peu autour de toi avec l'air de te dire ok, ne me jugez pas trop vite, je ne suis pas non plus la pire maman de l'année, etc, etc. Et finalement t'es très mal à l'aise et tu te dis j'y arrive pas, le syndrome de de toute façon je suis nulle, j'y arrive pas. Et moi j'ai envie de te dire qu'il y a une solution à ça. Il y a une solution pour dépasser ce syndrome et réussir à faire les choses. Et je vais te l'expliquer dans cette vidéo. Le truc c'est la persévérance. La répétition. Il faut savoir que ce sont des principes qui ont l'air très simples comme ça, mais ils portent tout leur sens. D'ailleurs, ils sont pas de moi, il y en a Maria Montessori, dans toute sa philosophie, répète que l'enfant va intégrer, va réussir à faire quelque chose par la répétition. D'ailleurs, elle invite les enfants à répéter beaucoup de fois la même activité avec la gestuelle, une gestuelle très précise qui va permettre à l'enfant d'affiner ses mouvements, de gagner en coordination œil-main, en motricité fine et puis en absorption d'une manière générale au niveau mental. Donc c'est vrai que c'est très très important de répéter. Et d'ailleurs le gourou du développement personnel, Tony Robbins, répète aussi la même chose, que c'est grâce à la répétition que l'on va réussir à s'approprier quelque chose, qu'on va se sentir à l'aise avec un certain enseignement et qu'on va pouvoir le reproduire. Donc ça c'est très très important, c'est fondamental. Il faut savoir que la première fois qu'on fait quelque chose, on n'est pas bon là-dedans. C'est pas possible. Il y a quelques jours, enfin quelques semaines plutôt, j'ai regardé la première vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'elle est même plus en ligne, il faut la chercher, enfin bon bref. Et elle était pourrie. Et je me suis dit waouh, j'ai envoyé ça sur YouTube. Et finalement, parce que je cherche mes mots, parce que je regarde où sont les enfants, parce que je manque de naturel, parce que je discute pas comme si c'était une copine, et parce que voilà, c'était la première fois. Et peut-être que dans un an, si je continue à faire des vidéos, je regarderai celle-là et je me dirai non mais c'est pas possible que j'ai mis ça en ligne sur YouTube. Et c'est normal en fait. La première fois qu'on fait quelque chose, on n'est pas bon dans ce qu'on fait. Et c'est ok. C'est ok, il faut pas avoir peur de se dire je suis nulle, j'y arrive pas. Enfin, si tu prends tous les athlètes de haut niveau, ils en sont pas arrivés là en une fois. C'est des heures et 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 des heures, et je pourrais dire ça aussi pendant des heures de travail derrière. C'est des heures d'entraînement, de répétition. Et c'est ça aussi qui va faire ta force. Moi, avec mes enfants, ne crois surtout pas que tout est facile. Les seules choses qui sont faciles avec mes enfants aujourd'hui, ce sont les choses que j'ai répétées inlassablement. Les choses que j'ai recommencées, sans jamais penser une seule fois que j'allais pas y arriver. Et c'est ça qui fait ma force sur des situations qui vont fonctionner aujourd'hui où j'ai plus de problèmes. C'est que j'ai répété inlassablement jusqu'à ce que j'y arrive, jusqu'à ce que j'ai les résultats que je voulais obtenir. Et c'est ça qui va faire la différence dans absolument toutes les situations. Peu importe ce que l'on envisage dans sa vie, que ce soit en lien avec la parentalité, avec son conjoint, avec de la couture, de la pâtisserie, du bricolage. Peu importe, avant d'arriver à avoir un résultat optimum, dont on soit content, dont on soit fier, dont on se sente estimé pour soi-même, il faut répéter inlassablement les choses. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs je le dis souvent,
une vidéo, quand elle t'a parlé, quand elle t'a interpellé, souvent je dis, ben regarde-la trois fois. Parce que la première, tu la découvres, hein, tu la découvres. La deuxième fois, tu vas vraiment l'écouter. Et la troisième fois, tu vas commencer à l'intégrer. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas capter les petites subtilités qui vont te permettre de créer la différence par ta constance, par la répétition, par le travail et par la persévérance, tout simplement. Et c'est ça qui va t'amener à faire en sorte que tu te sentes bien, que tu te sentes épanouie et que tu te dises, bah ouais, en fait, je suis capable moi aussi. Il n'y a pas que les autres qui y arrivent. En fait, peut-être que ce que tu ne sais pas, c'est que tous les autres, ils ont répété. Et à partir du moment où ils ont répété inlassablement, forcément, ils obtiennent des résultats. Et ça, ça devrait pas être un secret, en tout cas, il faut que tout le monde en ait conscience, parce que sans ça, qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise, on se dit, mais les autres, ils y arrivent mieux que moi, comment ils font? En fait, les autres, ils répètent les choses inlassablement, jusqu'à ce qu'ils soient en phase avec ça, jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et c'est ça qui crée la différence. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te dire, ne te décourage pas. Continue inlassablement à faire les choses, à répéter. Ne t'imagine pas que tu es la seule à faire ça. Ne t'imagine pas que ça n'arrive qu'à toi. Ne t'imagine pas qu'il n'y ait que tes enfants qui nécessitent de te faire répéter inlassablement. Non, tous les enfants. Je t'assure, moi aussi, je répète aussi énormément les choses. Et c'est normal, avec des petits-enfants, il faut répéter. Il n'y a pas le choix. C'est aussi leur mode d'intégration à eux, en fait. D'entendre plusieurs fois le message, et d'ailleurs, c'est aussi notre mode d'intégration à nous. Hein, les publicitaires l'ont bien compris, pour te faire acheter quelque chose, ils estiment que tu dois être en contact au moins 7 fois avec la même information. Donc finalement, ce qu'on demande de nos enfants quand on leur dit « mais je lui ai dit une fois et il a pas fait », mais c'est normal parce que physiologiquement, nous non plus, on n'est pas censé savoir le faire. On n'est pas censé pouvoir le faire. Après, notre esprit de raisonnement va nous permettre peut-être que si on demande quelque chose, de le faire, ok. Mais à la base de la base, on n'est pas censé forcément répondre comme ça du tac au tac au truc. On n'est pas censé être tout de suite séduit par l'idée, par le concept, par la demande, par etc. Donc c'est très très important que tu l'aies en tête. Voilà ce que je voulais t'expliquer pour cette vidéo. Avant de te laisser, je voudrais te dire que si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur les 7 secrets de la parentalité positive et bienveillante, je t'invite vraiment à la voir. C'est une vidéo que j'envoie en message privé. Comme ça, de cette manière, elle est à toi. Et tu peux la regarder autant de fois que tu veux, au moins 3 fois, ce que je te suggère. Et comme ça, en fait, t'as pas besoin de la rechercher sur la chaîne, etc. Tu sais qu'elle est à toi, tu peux la classer dans ta boîte de réception et tu peux y revenir autant de fois que tu veux. Donc pour la recevoir, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description, tu m'indiques ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie cette vidéo dans laquelle je dévoile les 7 secrets de la parentalité positive. Donc en fait, ce que je fais, c'est très simple, je reprends les 7 grandes idées, les plus grandes idées reçues de la parentalité, je dis ce que la plupart des gens font d'une manière générale en éducation classique et je propose une alternative bienveillante que tu peux mettre en place très facilement chez toi. Donc pour découvrir ces 7 grands secrets, tu télécharges, tu cliques sur le lien, tu télécharges et je te l'envoie, elle est à toi. Et c'est vraiment une vidéo qui, une fois que l'on a compris ces principes, ces 7 grands principes, on peut les reproduire, déjà les dupliquer à beaucoup de choses. Et ça nous permet d'arriver à un cheminement beaucoup plus positif, serein et épanouissant avec nos enfants. Voilà, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.